10 choses que les gens intelligents évitent mais ne vous disent jamais. Voici une explication plus détaillée et captivante des 10 choses que les gens intelligents évitent, en s'inspirant des principes du stoïcisme. 1. S'engager dans des conversations sans signification et interactions dénuées de sens. Les personnes intelligentes savent que chaque minute compte. Plutôt que de se perdre dans des conversations superficielles et des commérages, ils choisissent des discussions qui enrichissent leur esprit et créent des connexions authentiques. Ils recherchent des dialogues qui stimulent leurs réflexions et élargissent leurs horizons, nourrissant ainsi leur croissance intellectuelle et personnelle. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les gens intelligents cultivent soigneusement le leur avec des conversations stimulantes et des idées enrichissantes. Ils nourrissent leur intellect avec des discussions qui les font réfléchir, remettent en question leurs perspectives et élargissent leurs horizons. En revanche, les conversations banales et superficielles sont comme des mauvaises herbes qui étouffent la croissance et empêchent la floraison de nouvelles idées. Les personnes intelligentes savent identifier ces interactions néfastes et les évitent précieusement, préservant ainsi leur espace mental pour des échanges plus précieux. 2. Réactions impulsives et fréquentées des personnes négatives. Plutôt que de réagir instinctivement aux événements ou provocations, les personnes intelligentes prennent le temps de réfléchir. Cette pratique leur permet de rester calmes et posés, même dans des situations tendues. En contrôlant leurs réactions, ils évitent les conflits inutiles et maintiennent une attitude stoïque et réfléchie. L'entourage a un impact puissant sur notre bien-être et notre façon de penser. Les gens intelligents choisissent donc leur compagnie avec soin. Ils s'entourent d'individus positifs, inspirants et encourageants qui les élèvent et les font grandir. Ils reconnaissent que les personnes négatives, toxiques et pessimistes peuvent saper leur motivation, assombrir leur humeur et même nuire à leur santé mentale. S'éloigner de ces influences néfastes n'est pas un acte d'égoïsme, mais un choix nécessaire pour protéger leur propre lumière intérieure. 3. Distraction numérique et se comparer aux autres. Dans un monde saturé par les médias sociaux et les notifications constantes, les individus intelligents utilisent ces outils de manière consciente. Ils filtrent les contenus pour ne garder que ceux qui les éduquent et les inspirent. En évitant les interactions en ligne insignifiantes, ils préservent leur énergie mentale et restent concentrés sur ce qui est vraiment important. La comparaison est un voleur de joie et un tueur de motivation. Les gens intelligents le savent pertinemment. Ils se concentrent sur leur propre cheminement unique, leurs objectifs et leurs progrès, sans se soucier de la position des autres sur la course. Ils célèbrent leurs victoires, apprennent de leurs échecs et tracent leur propre itinéraire vers le succès. Se comparer aux autres ne fait que créer un sentiment d'insuffisance et d'amertume, empêchant d'apprécier ses propres réalisations et de savourer le voyage de la vie. 4. Relations toxiques et se précipiter sur des décisions. Les personnes intelligentes choisissent soigneusement leurs relations. Elles s'éloignent de ceux qui apportent de la négativité ou de la superficialité dans leur vie. En s'entourant de personnes positives et encourageantes, elles créent un environnement propice à la croissance personnelle et émotionnelle. Les décisions hâtives mènent souvent à des regrets cuisants. Les gens intelligents adoptent une approche réfléchie et mesurée. Ils analysent les situations en profondeur, évaluent toutes les options possibles et envisagent les conséquences potentielles avant de prendre une décision. Ils comprennent que la précipitation peut conduire à des choix malheureux, tandis que la patience et la réflexion permettent de faire des choix éclairés et stratégiques. 5. Perte de temps professionnel et avoir peur de l'échec. Au travail, ils évitent les ragots de bureau et les réunions improductives. Ils se concentrent sur des tâches qui contribuent directement à leur développement professionnel et à leur succès. Cette approche stratégique leur permet de constamment perfectionner leurs compétences et d'élargir leurs connaissances. L'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape sur le chemin de la réussite. Les gens intelligents l'ont compris. Ils ne craignent pas l'échec, mais le voient plutôt comme une occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Ils persévèrent face aux obstacles, tirent des leçons de leurs erreurs et se relèvent avec une détermination renouvelée. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage et de résilience. 6. Point autocritique excessive et se contenter de la médiocrité. Plutôt que de se critiquer sévèrement, les personnes intelligentes adoptent une mentalité de croissance. Elles voient leurs erreurs comme nouvelles informations, des perspectives différentes et des points de vue opposés. Ils ne sont pas attachés à leurs idées de manière dogmatique et sont toujours prêts à changer d'avis si les preuves le justifient. La flexibilité mentale est la clé de l'apprentissage continu et de la croissance intellectuelle. 9. Réactions émotionnelles et juger les autres. En adoptant une perspective stoïque, les individus intelligents apprennent à maîtriser leurs émotions. Ils ne se laissent pas emporter par des réactions émotionnelles, mais restent rationnels et calmes, même dans des situations stressantes ou émotionnellement chargées. Cette maîtrise émotionnelle leur permet de prendre des décisions éclairées. Juger les autres, c'est se limiter soi-même. Les gens intelligents évitent les jugements hâtifs et les critiques acerbes. Ils reconnaissent que chacun a ses propres expériences, ses valeurs et ses perspectives qui façonnent sa vision du monde. Ils font preuve d'empathie et de compréhension vis-à-vis des autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec leurs choix ou leurs opinions.
Ils comprennent que juger les autres les empêche de voir le monde dans toute sa richesse et sa diversité. 10 conversations improductives et abandonner leurs rêves. Ils évitent de perdre du temps dans des discussions sans valeur. Les personnes intelligentes recherchent des conversations qui les encouragent à réfléchir profondément, à remettre en question leurs hypothèses et à explorer de nouvelles perspectives. Ces échanges enrichissants stimulent leur esprit et favorisent des relations significatives. Les rêves sont le carburant qui alimente l'ambition et donne du sens à la vie. Les gens intelligents n'abandonnent jamais leurs rêves, peu importe les obstacles qu'ils rencontrent. Ils sont tenaces et persévérants, face aux échecs et aux rejets, ils se relèvent, apprennent de leurs erreurs et continuent d'avancer. Ils savent que le chemin vers la réussite est rarement facile, mais ils ont la foi en leur capacité et la détermination d'atteindre leurs objectifs. Abandonner ses rêves équivaut à renoncer à une partie de soi-même et à se priver de la joie de réaliser son plein potentiel. En suivant ces principes et en adoptant ces habitudes, vous pouvez cultiver une vie plus intelligente, plus riche et plus épanouissante. N'oubliez pas que l'intelligence n'est pas un don inné, mais une compétence qui se développe avec le temps et des efforts intentionnels. En choisissant consciemment de vivre une vie intelligente, vous ouvrez un monde de possibilités infinies et vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. En guise de conclusion, en adoptant ces pratiques, les personnes intelligentes maintiennent un esprit vif et concentré, s'entourent d'influences positives et s'engagent dans des interactions qui nourrissent leur croissance intellectuelle et émotionnelle. Les gens intelligents ne se contentent pas de vivre, ils apprennent, grandissent et évoluent constamment. Ils recherchent activement des connaissances, des expériences et des défis qui les font sortir de leur zone de confort et les élèvent à un niveau supérieur. Ils comprennent que la vie est un voyage d'apprentissage continu et ils sont toujours à la recherche de moyens de s'améliorer et de se transformer. Alors, rejoignez-les sur ce chemin d'exploration et d'épanouissement personnel. Embrassez les défis, nourrissez votre curiosité et cultivez l'intelligence qui sommeille en vous. Le monde a besoin de votre lumière, de vos idées et de votre contribution unique.